Trois secrets pour un rehaussement de cils réussi. Le premier secret, et qui est d'ailleurs très souvent sous-coté, c'est de bien choisir la taille de ces pads en silicone. Avant de les appliquer sur cliente, déjà, il va falloir choisir la taille en fonction de la taille des cils naturels de la cliente, bien entendu. Et secondement, tous les pads ne sont pas pareils, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous la même épaisseur. Du coup, ça va vous donner des courbures différentes en fonction des pads que vous allez choisir. Donc en fait, il faut bien savoir les choisir en fonction des clientes et en fonction du résultat souhaité. En second, c'est savoir bien placer les cils sur le pad de la cliente. Donc une fois que vous avez bien choisi le pad en silicone, que vous allez l'appliquer du coup sur la paupière de la cliente, il va falloir bien placer les cils de la cliente. Ça, c'est d'ailleurs souvent des grosses erreurs quand on est débutant en rehaussement de cils. C'est qu'en fait, on va placer les cils un petit peu aléatoirement sur le pad en silicone. Alors qu'en fait, c'est une étape qui est primordiale pour avoir un joli rehaussement de cils. C'est de bien savoir placer parfaitement les cils sur le pad en silicone. C'est d'ailleurs une étape qui est primordiale et qu'on explique énormément dans notre formation en ligne. En troisième, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est souvent négligé dans un rehaussement de cils, mais c'est de bien savoir le temps de pose indiqué en fonction des cils naturels de la cliente. Et oui, on n'a pas tous la même nature de cils. Il y a des clientes qui vont avoir des cils plus ou moins épais, plus ou moins courts, plus ou moins longs, plus ou moins denses. Et en fonction de tous ces paramètres, on ne va pas poser la permanente 1 et 2 d'ailleurs, hein. On ne va pas les poser au même temps qu'une autre cliente. Le temps de pose sera différent en fonction de la nature des cils de chaque cliente parce que en effet, on n'a pas toutes la même nature de cils. Il y en a qui vont avoir des cils épais, longs, plus ou moins courbés, plus ou moins denses. Plus ou moins bouclés aussi, parce qu'on a certaines clientes qui ont des cils qui sont bouclés. Et en fonction de tous ces paramètres-là, le temps de pose des permanentes sera différent. Vous souhaitez apprendre à faire des extensions de cils, du microblading, un rehaussement de cils ou même des taches de rousseur? Découvrez notre centre de formation spécialiste du regard. Nous sommes très exigeants sur la qualité de notre enseignement. Nous vous formons pour devenir des professionnels afin que vous puissiez pratiquer sereinement. Nous sélectionnons un petit groupe d'élèves pour chaque session afin de vous offrir le meilleur suivi personnalisé. Aucune expérience n'est requise au préalable. Vous aurez accès à une plateforme de formation en ligne avec des vidéos, des explications écrites et des QCM. Vous recevrez dans votre boîte aux lettres votre kit de formation qui vous permettra de vous entraîner et de faire 5 à 10 prestations sur vos clientes. Les avantages de notre formation en ligne, pas de frais de déplacement, apprenez à votre rythme. La formatrice s'adapte à vos horaires. Pas besoin de notes, vous pouvez revoir la formation en illimité. Le plus important, vous ne serez pas seul. Des échanges par écrit avec des vocaux, des vidéos WhatsApp avec la formatrice, des validations par photo après chaque étape importante du processus de la formation. À l'issue de celle-ci, vous vous sentirez parfaitement à l'aise pour pratiquer sur cliente. Les règles d'hygiène n'auront plus aucun secret pour vous. En plus de la formation, vous aurez accès à un module complet pour développer votre activité, allant de l'explication pour créer un site web, attirer des visiteurs et avoir plein de clients rapidement dans votre activité. Nos formations sont éligibles au CPF. Remplissez votre candidature pour qu'un membre de notre équipe vous recontacte. Et j'espère à très bientôt.